pour la première fois. On surprendra peut-être certains, mais bon, pas de m'en fous. Je suis en compagnie de deux personnes et on va parler tout simplement du. 1,5. De quoi? J'ai dit 2%, j'ai dit 1,5. Mais ta gueule, mec! Mais ta gueule! Mais laisse-le faire son intro, mais c'est pas dur! Laisse-le! Bah, disons que t'es une personne, je suis à moitié d'une. Bon, ouais. Bon, je suis en compagnie de Yu Gong et Kyotin, les gars. Salut! Je suis l'intelligence. Ah, ouais, c'est clair, ouais. Une demi-personne intelligente. Ok. Bref. C'est vraiment la merde. Des chasseurs du cœur, la cinquième édition, si je me trompe pas. Oui. Mmh. Oui, exactement, cinquième édition des chasseurs du cœur. Mmh. Plus varié que la dernière fois, hein. Pas vrai? Oui. Mmh. Oui, exactement. C'est tellement sensuel cette émission, allez. Oui. Oui. Donc tu dois mettre l'anneau dans la lave. Oui. Oui. Vous savez qui je suis? Non, Yugo. Didier Drogba. Voleur? Oui. Non. Ah mon dieu, c'est, oui. Ça commence bien ce débat. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Oui. Je m'en bats les couilles. Pardon, excusez-moi. Quoi, il est bien Image World. Bah je sais pas, je l'ai pas, et de toute façon je peux pas y jouer, j'ai pas la config pour. Pas de PS4 ouais. Ni d'Xbox One. Même si on sait qu'il y a pas de sur Xbox One. Bah si, y'a Trax. Merde. Merde, y'a un chat. Donc, Trax, si, Trax, si tu vois cette vidéo, Dédicace à toi. Putain. Pardon. Les forums et tu avais Skyblog. Tout simplement. Alors là, je te parle d'une époque il y a 10 ans. Oui, je m'en doute. Alors qu'aujourd'hui, t'as Reddit, t'as Facebook, Twitter, YouTube, le peu de forum qui reste. Ils sont là, dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux. Là, le problème, c'est que. Donc, ouais, pour moi, ça va pas du tout être le même type de public visé, hein. Ça va être, je pense que ça peut être quelque chose, bah, surtout que tu regardes les films d'animation, ça a jamais été fait pour les enfants, hein. C'est, ouais, ça, c'est un préjugé. Regarde les Resident Evil. C'est un gros préjugé. Ouais, regarde, enfin, ouais. Ouais, voilà, voilà. Sausage Party, etc. Et, ça reste un film d'animation par contre, mais bref. Hey, yo tout le monde, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Professeur Fein. Miaou, salut tout le monde. Bon, clair, moi je t'ai pas cassé les oreilles comme la dernière fois. Je sais pas, on va voir. Tigrex noir, du coup. Bonjour. Et puis, Somme Coury, putain, j'ai oublié. Et puis, Ah, l'hésitation. Oui. Attends, je regarde la fatigue. Ah oui, Somme Coury. Mmh. Ouais, ouais, c'est ça, c'est bien le bon pseudo. Ouais. Attends, comment il s'appelle ce con, déjà? T'es en recommandé. J'ai une 660. Pardon. Ah. Et en processeur, j'ai un Intel Core i2. Ah. Oula. Oula. Ah non, tu pourras vraiment pas le faire tourner. quand je voulais faire tourner Tokiden 2, mon PC brûlait, enfin brûlait, il chauffait comme un gros porc après un quart d'heure de jeu. Bah c'est bien, t'avais ton petit déjeuner comme ça, au moins tu faisais jouer, tu jouais à ton jeu, mais en même temps tu mettais les œufs dessus. Bah voilà. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, et après le jaune il fond et il s'étale sur le ventilo. Ah.
Ah, comment ça se fait qu'à chaque fois que j'allume mon PC, il sent l'œuf? Au pire, tu fais comme les vidéos de Tamien et en fait, eux, ils mangent les œufs alors que l'oiseau est encore vivant, il est encore dans l'œuf. Et tu le mets dans le PC. Mais après, tu vois, moi je suis déjà plus hypé par ce film d'animation que le film Monster Hunter qui a été annoncé. Qui peut être hypé par ce truc? T'es pas, ils vont faire un... Je sais pas, ils vont faire un truc bizarre. Enfin, dans tous les cas, j'irai le voir, je suis un pigeon, mais Moi aussi, mais voilà, pigeon, frère, je ferai un vlog. Je ferai... T'es moche, j'ai je me ferai... J'ai les yeux qui saignent. Ouais. Toi, tu fais un peu comme Pinga et tu sors, tu fais une crise d'épilepsie sur le trottoir. Mais pourquoi j'ai fait ça? Casse le rythme quand tu regardes un bon film. T'imagines même pas le nombre de pubs que tu regardes en une journée, hein. Même sans voilà. Allumer la télé. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est pareil, moi quand je sors sur internet, je mets que Adblock et ouais, enfin Ublock. Est-ce que ça me gonfle de voir des pubs tout le temps, normal, partout? Ça me saoule. Putain, les gars, vous regarderez la cam là. Ouais. Je viens de faire un petit plafond de produit en muet, je vous le dis. Hey, regardez-moi pendant qu'ils parlent, on s'en prend de ce qu'ils disent. Vendu! Ouais, achetez TikTok, les gars. Ce qui aurait été énorme, c'est que ce soit de la sous-marque, tu vois. Ah ouais, non mais. Mais bon, M&M's de chez Lidl. Mais on ne trouvera pas sur Origin ni. Sauf si des gens le mettent en téléchargement illégal. Je te rappelle qu'il y a des nouveaux. Faut vraiment trouver. Si en téléchargement illégal, il faut déjà exploiter les failles. Tu peux pas. Tu peux pas non plus craquer un jeu comme ça du jour au lendemain. Et ben bon, c'est vrai qu'en général, ça c'est un bon moyen aussi pour te faire potentiellement ban de Steam. Ou du jeu, ça dépend. Quelque part, ça, ouais. Ça évitera les joueurs qui demandent déjà comment tricher sur Monster Hunter World PC et qui demandent comment importer les saves de mes MH pour sur PC sur PS4 après. Je ne citerai pas qui. Ah, je crois savoir. Est-ce que ça commence moi aussi par un S? Ça commence par un S. Voilà. Ça et finit par un L. Bon, Monsieur Pilon, tu mets un cœur à celui qui devine dans les commentaires qui est-ce qui. Ah mais on a un beau screen et on en a marre rigolé de ça, c'est pas possible quoi. Là on en revient sur le cyberharcèlement les gars. En tout cas on l'attendait à la Japan Expo. Oh merde. Oh putain. J'étais pas. Non, ah ouais, on l'attendait, il nous avait Peut-être que les vigiles l'avaient déjà viré. Ouais. Après bon, si tu veux faire des chaînes putaclic tout ça, t'as qu'à faire un moufa fâché. Du mot pas fâché. Je crois que vous avez compris la référence. Oui, oui, non, la mafâché, tout simplement. Ouais. Le mot pas vénère au lieu du lama fâché. Ça existe encore cette chaîne? Le pire, oui. Le oui, oui, le pire, oui. Moi, je l'ai hérité. C'est un mec, quand on sait plus de neuf. Je pense qu'ils ont changé de. Personne qui présentait les émissions. Bonjour, je suis une voix off sans âme et je vais quand même vous raconter ce qu'il faut faire de votre vie. Avec un gros putaclic, lâchez un pouce bleu, activez la petite cloche et surtout, allez vous faire enculer pour que je vous monte ma tête un jour. Non, mais regardez pas, il y a des abonnés, je vous montre ma tête. Oh, on a atteint le nombre d'abonnés, mais je ne peux pas vous la montrer pour raison personnelle. J'ai un gros bouton. En fait, non. J'ai une révélation à vous faire. Ma tête, c'est pas une tête de lama. C'est pour ça que moi aussi on m'a un peu fait chier pour montrer ma tête, mais Et attends, tu te marres, mais ce nom, attends, si c'est un vrai nain derrière, t'auras l'air con, hein. Ouais. Parce que moi, mon lapin, il me tape tous les jours et j'en parle pas, tu vois. Mais surtout les gens qui croient qu'il y a une tête de féline derrière aussi.
Attends, c'était quoi ton cosplay? J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Attends, c'était pas Je suis monté le cosplay? Si, c'est ça, je suis monté. Oh, bah, j'ai retrouvé l'image, mais là sur le. Avec un vrai. Voilà, je l'avais fait avec un vrai pain, une vraie, un vrai bout de bois, tout ça quoi. Genre, j'ai vu ça, j'étais mort. Le pire, c'est que je l'ai refait à la Japan Expo, sauf que ce con, il s'est cassé ce con de pain. Oh, j'étais dégoûté. Mais je trouvais ça bizarre d'ailleurs que personne ne l'avait encore fait celle-là, tu vois. J'ai vu ça, je me suis dit, quelqu'un a enfin porté ses couilles et l'a fait. Et quand j'ai vu que c'était toi, j'étais mort de rire. Et puis, j'ai même, tu sais que je l'ai même présenté devant le producteur, Chintaro, producteur des machins. J'ai vu, t'avais pas joué avec lui, justement, t'étais en train de. Si, c'est ça. Et il a bien aimé le cosplay, à la fin, il a même fait un petit autographe avec la tête de Je suis monté dessus. Bon, j'ai rien contre ceux qui monétisent, hein. Tant qu'ils ouvrent pas un Tipeee pour payer leurs essences. Ouais, je vais ouvrir mon Tipeee, je vais m'offrir une piscine encore plus chère que celle de Macron. Vous pouvez faire un nom sur la page Streamlabs, je prends le bus pour aller en ville de temps en temps, vous voyez. Tu vois, mec, c'est la piscine en or de Picsou, là. Là où il se baigne dedans. Oh, bordel. De quoi? Non, ok. Picsou! Ok. Civilisation? Non, on a rien dit. Non, pas du tout. Ah, bro. Non, c'est juste des que. Une tour qui disparaît sur une île lointaine, je sais pas quoi. Ouais, et en gros, ils pourraient l'ignorer, ça reviendrait au même. Ouais, donc, voilà, parce qu'elle disparaît, du coup, on s'en fout. T'sais, le mec. Ouais, bon, on s'en fout, on sait pas où elle est, le mec. De toute façon, la tour est disparue tout le temps. Ah, là, il y a de l'enjeu. T'sais, le mec, il a... C'est le mec, genre, il... c'est une bouchade. Je me rappelle encore d'une fille qui traînait sur JVC, c'était... Oh, je me rappelle plus le nom, mais il y avait Jaggi dedans. Le truc qui marque bien. Ah ouais, mais je me rappelle plus du début du nom, mais c'était sur le JVC MH3, et c'était un le titre, il avait un rapport avec le Jaggi. Mais je me rappelle plus vraiment du titre. Ouais, attends, c'est pas Michel, difficile de s'en souvenir. Oh. Merci qui? Merci Jaggi Michel. Pas mal celle-là. Pas mal. Il y aura un logo spécial pour ça. Jaggi Michel, what? On part trop loin, les gars, là. On en fait 12 minutes de vidéo, déjà, elle est bien c'est craquage. Celle-là. Oh, bordel. Oh, bordel. Ce serait marrant, ce film. Non, c'est même pas Jaggi Michel, c'est Jaggi Michel. On te remet l'image, attention. Une image offerte par Professeur Fine. Je profite pour le dire, d'ailleurs. Ouais, je l'ai graffé pendant le débat, justement. Ouais, bah ouais, non. Juste après qu'on ait fait la première blague. Putain, c'est parti de ma connerie, quoi. Ouais. Ouais, non, mais... Je m'en fous, si ça, c'est... Attends, si c'est pas dans les annales, je te jure, je pète un câble. Bah, j'ai dit Michel, c'est toujours dans les annales, donc... Les annales d'Internet, hein. Clique sur ce lien pour aller sur une vidéo et puis un clic sur celle-là pour aller sur une vidéo, tu sais, c'est un bordel sans nom. Ouais, bon, ça, je m'en fous, hein. Il y a des gens qui font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent, les tumeurs. Il va se retrouver sur une vidéo en Russie, tu vois, genre avec un virus bleu en train de danser, il va pas comprendre. Oh merde, j'ai cliqué sur une vidéo de Monsieur Pyro, comment ça se prouve que je. Comment ça se fait que je me retrouve sur Jaggi Michel? Ben, peut-être parce que je suis parti de l'industrie, qui sait. Pourquoi pas? C'était un con, on peut dire ce qu'il est. Oui. Oui. Ah putain, on va repartir là-dessus. Oui. Arrêtez. Petit Drogba. Logo PIK 18 en vrai. Oh, bon, la pierre philosophale, la pierre philosophe quoi? Oh, j'ai
ça va, pareil. J'ai pris mon bol de croquettes, ça va. D'accord, ok. Je bois ma bière, ça va. Putain, le mec il boit une bière pendant qu'il fait une vidéo. Bah oui. En plus, c'est pas une très bonne bière, donc... C'est une quoi? Donc ce sera pas une très bonne vidéo. Non, non, c'est pas.